Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nathalie. Je suis tarologue et psychologue. Aujourd'hui, on va découvrir ces intentions vers vous. Mais ce ne sera pas les intentions pour toute la vie. On va découvrir les intentions qu'il y a en ce moment-là. Donc, si par exemple, maintenant, je ne peux pas vous dire que il ne veut pas avoir une famille avec vous. Ça signifie pas que il ne veut pas, comme il ne veut pas le voir jamais. Mais on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, ses intentions en ce moment-là, quand vous voyez cette vidéo, même si vous pouvez le voir, l'avoir dans quelques mois, ce serait actuel en ce moment quand vous voyez cette vidéo. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez penser à votre homme et choisir une sur quatre cartes. Donc, la première position, deuxième, troisième et quatrième. Donc, on commence. J'espère que vous avez déjà choisi. Donc, pour ce qui a choisi la première position, ses intentions, il veut s'amuser. Mais attention, si vous êtes une femme, ou soit si vous avez des relations vraiment sérieuses et vous avez les relations depuis longtemps, donc attention parce qu'il pense que vous avez beaucoup de disputes et vous êtes une femme qui toujours n'aime pas ce qu'elle fait. Et donc, lui, il veut s'amuser avec une autre. Il veut avoir une maîtresse, soit juste une autre femme. Il veut s'amuser. Parce que... Mais c'est pour... ce qui sont ont les relations depuis longtemps. Si vous êtes juste à commencer les relations, juste quelques mois, donc lui, il veut passer le week-end avec vous. Ne pensez pas de la famille pour ce moment. Il ne veut pas. Il pense que dans la famille, il n'y a pas d'émotions. Il n'y a pas de l'amour. Mais donc, si vous êtes en relation depuis le temps, attention, vous pouvez avoir une autre femme dans vos relations. Si vous êtes juste à commencer les relations, donc pour ce moment-là, il n'a pas des intentions d'avoir une famille avec vous, il veut juste s'amuser. Il sait que vous faites plus des actions vers lui que lui à le faire pour vous. Et attention, si vous avez commencé les relations, il faut vérifier s'il est marié ou pas. Parce que cet homme, il veut s'amuser. Et il y a une possibilité d'être femme. Donc attention. Donc
Donc, pour ce qui a choisi la deuxième position, ses intentions vers vous. En fait, il a peur de vous perdre parce qu'il pense qu'il y a un autre homme, que vous avez quelqu'un d'autre. Et lui, il pense que vous êtes déçu en lui, que lui, il n'est pas votre prince charmant. Il se sent comme un garçon près de vous. Et il peut un petit peu s'éloigner. En ce moment-là, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il veut avoir les relations sérieuses avec vous, même la famille dans le futur. Mais il attend de vos actions. Il attend de ce que vous lui montrez. Vous pouvez lui montrer pourquoi il doit vous choisir. Parce qu'il a un petit peu peur que vous pourrez choisir un autre. Il a peur d'avoir la concurrence. La concurrence avec un autre homme. Et il essaie de le comprendre. Il essaie de vous comprendre. Donc, si vous voulez être avec cet homme, il faut lui montrer que lui est comme un homme incroyable, il est votre chevalier. Parce qu'il est vraiment vieux avec vous, mais il a peur. Il a peur de la concurrence. Donc, ses intentions, c'est vraiment la famille, les relations sérieuses. Donc, c'était la deuxième position. Pour ce qui a choisi la treizième, ses intentions. Vous lui donnez beaucoup d'émotions. Vous lui attirez incroyablement fort. Il ne peut pas être sans vous. Vous êtes comme son narcotique. Il ne peut pas. Il ne peut pas vraiment être sans vous. Il veut toujours vous donner le plaisir. Il veut toujours être avec vous. Mais cet homme, il est un petit peu, pas trop sauvage, mais il aime utiliser sa force. Il aime ce que vous pouvez lui obéir. Et ne lui dit pas ce qu'il peut être pas bon. Vous lui devez toujours dire que... Comme, waouh, tu es le chevalier, tu es incroyable. Et il va rester avec vous. Parce que, pour ce moment-là, ses intentions, c'est. Il ne pense pas de la future. Mais il ne peut pas être sans vous. Vous êtes comme. Il pense de vous comme dans sur sorcier qui lui. Attire peut-être avec la magie parce qu'il ne comprend pas comment vous pouvez lui attirer tellement fort. Il pense toujours à vous, il veut vous, il est incroyablement,
il a le désir incroyable, totalement. Il perd la tête beaucoup. Et maintenant, il veut avoir les relations comme ça. Juste avoir les émotions. Les émotions. Et vous soumettre. Il veut que vous lui montrez que vous pouvez lui obéir. Que vous voulez lui obéir. Donc, c'était la troisième position. Pour ceux qui ont choisi la quatrième, ses intentions. En ce temps, il sait que vous pouvez lui atteindre. Et il sait que vous faites plus dans sa relation. Cet homme est un petit égoïste. Il peut vous donner beaucoup de promesses, mais quand même, il ne fait rien. Il juste veut avoir les émotions, mais il veut que vous lui attendez toujours. Par exemple, je veux passer la nuit avec toi comme lundi et vendredi, tu dois m'attendre, comme ça. Il ne pense pas de vos émotions, il pense juste de soi-même. Et c'est vous qui devez toujours. Donc, vos relations, elles sont basées sur vous. Parce que vous essayez de faire quelque chose vers lui. C'est vous qui essayez de développer les relations. Lui, il comme je suis arrivée, j'ai reçu le plaisir et je peux partir comme ça. Comme ça. Il sait que vous lui aimez, il sait que vous lui croyez et il vous. Comme vous, il vous utilise comme ça, plus. Oui, vous lui aimez plus que lui. Donc, il faut réfléchir si vous voulez être avec lui. Si vous voulez rester avec lui. Parce que ses intentions, c'est juste d'obtenir quelques nuits par semaine avec vous. Mais pas trop. Donc, c'était la quatrième position. Donc, si vous voulez obtenir les consultations privées, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou sur Facebook ou email. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.